Il y a une belle-mère même encore à Abidjan ici. Mmh. Voilà, en train de coucher, hein, lit de son enfant là. Elle va marcher dessus pour aller déposer son sac derrière là-bas. Ah. Son sac de voyage. C'est là-bas, elle, pour s'habiller, elle va monter sur le même matelas, aller prendre habit pour porter. Mmh. C'est pas ce sorcellerie qui commence comme ça. Bon, souvent, donc quand la fille est venue me dire, j'ai dit, maman, je connais un médicament de ça. Viens. Comment ça se fait? Elle m'a dit, tu sais qu'elle se réveille depuis avant, dis à ton mari, mettez-vous nus, vous deux là. Mmh. Mettez-vous nus. Qu'elle va voir là. Elle va plus rentrer là-bas. Mais les deux étaient nus, même, mais elle les a dépassés. Elle dit, excusez-moi, mon caïn fait yo. Je vais aller prendre mon... Ils ont tiré le drap. J'ai dit, si c'est moi, ne tirez plus le drap. Si c'est comme ça, là, prochainement, tu dis à ton mari, il n'est qu'à bien bander. Elle va voir son fils, comment il bande même. Il n'est qu'à bien bander. Si elle peut traverser ça pour aller prendre son sac derrière lui. Il faut qu'on parle aujourd'hui à ces belles-mères. C'est important, des enfants qui ont qu'on parle. Des jeunes qui se cherchent. Mm-hmm. Ton fils, il se cherche. C'est rare de voir un enfant qui va dire à sa maman, sors de ma maison. Mais c'est le comportement, le caractère des mamans qui fait qu'un jour, l'enfant lui parle mal. Parce que ça c'est pas normal qu'un enfant insulte sa maman ou bien on nie sa maman. Même si c'est exagéré, il a oublié de faire sortir un mot. Ah maman, tu peux m'excuser, mais anope ta bouche dans mes affaires. Les mamans qui s'en vont habiter avec leurs filles, moi la seule de tromper, je suis désolée. Je peux habiter si l'enfant m'appelle. Mm-hmm. Au moins une belle-mère, une maman même en général, que son fils a plus de l'âge. Mm-hmm. Quand mon fils m'appelle, une semaine c'est déjà tout. Parce que moi aussi j'ai mon foyer, son père est là. Mm-hmm. Je dois aussi aller là-bas. Oui. Mais il y a des belles-mères aujourd'hui, l'enfant même a un studio. Et dans le studio où il y a rideau, la maman est couchée devant même le matelas de son ça, fils. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah, ça existe. Ça est-ce existe. Que ça, là, c'est normal, ça? Problème de couple, sous pression, déception amoureuse, suivez votre nouvelle émission, Goumin Sucré. Une émission qui vous plonge au cœur des problèmes d'amour de la vie quotidienne. Un débat entre vous et les invités arbitrés par la sœur Laure de Tous les Pleux avec ses conseils bien pimentés. Ne rate surtout pas Goumin Sucré tous les vendredis dès 21h sur Ivoire TV Musique, canal 209 de Bouquet Canal.